Le Costa Smeralda, qui vient d'être inauguré à Marseille, est présenté comme une véritable révolution dans le secteur de la croisière. C'est un paquebot complètement responsable dans le domaine de l'environnement. C'est le premier paquebot en fait, des grandes compagnies internationales à être en propulsion au gaz naturel liquéfié, qui est l'énergie fossile la plus vertueuse. Et nous sommes dans cette épure en fait, d'un tourisme responsable, y compris d'ailleurs sur les autres navires, mais encore plus sur le Costa Smeralda. C'est un début dans le domaine du développement de la croisière, avec une obsession chez Costa, vous l'avez compris, c'est la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale également. Puisque nous avons entamé un partenariat avec la Banque alimentaire et l'Armée du Salut de Marseille sur la redistribution des surplus alimentaires. C'est aussi, dans notre histoire, une grande fierté de pouvoir penser à ceux qui ne sont pas forcément nos clients et qui pourront peut-être jamais l'être, mais qui pourront bénéficier en fait, des repas servis à bord, tout en ayant le souci extrême d'aller vers la lutte contre le gaspillage alimentaire.